Nelson Mandela te dit, c'est un grand homme que je pense que nous tous connaissons ça. L'éducation, c'est l'homme la plus puissante qui peut changer le monde. Folie 2024, Hôtel Caribé. Les gens qui ont constaté, c'est des personnes de tout âge qui là, qui n'en foire là. Et nous avons avec nous là, Anneka Pierre-Jacques, yon moun qui c'est Miss Fuji 2024. Miss Fuji, Fondation Fuji, son fondation qui travaille dans le domaine émancipation des jeunes filles et de filles tout. Donc, Libral dit nous, est-ce que c'est première participation dans Livre en Folie? Est-ce que elle vient en tant que lui-même personnellement? Ou bien est-ce que c'est fondation qui l'a? Anneka, comment y est et qui ça te met non dans Livre en Folie, Anissa? Déjà, bonsoir. Moi, informé ou même. Très bien. Oh, c'est un plaisir pour me participer dans Livre en Folie, Anissa. Donc, c'est la deuxième fois que je participe dans Livre en Folie. Je suis capable de dire que moi, c'est représentante Fuji Anea dans l'édition ça. Très bien, mais comment ouais activité a déroulé, qui sont retenus, qui ça qui marqué ou là jusqu'à présent? Bon, comme d'habitude, c'est toujours une belle initiative côté nous avons différentes autorités qui réunissent ensemble qui fait activité ça qui fait 30e édition yo. Donc nous capable dire que c'est toujours une belle initiative, c'est toujours une belle occasion pour jeunes capable retrouver ensemble pour nous honorer lecture, honorer éducation et tout. Donc à chaque fois c'est toujours un plaisir pour moi, c'est la deuxième fois que je participe dans Livre Folie. Moi toujours c'est une occasion qui grandiose côté jamais dit on a honorer éducation, on a honorer la jeunesse, on a honorer chaque grand monde qui aime lecture, nous capable avancer ensemble. Très bien. Est-ce que vous avez un message pour jeunes adolescents de Cancun, pour Foualan ou bien pour la lecture? Encourager faire lecture. Je vais encourager nous toujours faire lecture. Quoi dans l'éducation? L'éducation, c'est clair. Nelson Mandela te dit, c'est un grand homme que je pense que nous tous connaissons ça. L'éducation, c'est l'homme la plus puissante qui peut changer le monde. Je suis capable de dire, nous encourager faire lecture. Quoi dans l'éducation? Continuer à apprendre. Comme ça, nous sommes capables de dire que nous sommes encourager nous yon encourager l'autre, comprendre l'autre et tout pour nous capables de gagner en Haïti avec un demain meilleur. Merci beaucoup. C'est pas simplement Anneka Pierre-Jacques que nous gagnons avec nous. Nous gagnons tout Fedline Talmac. Lui-même, ils sont représentants de ACM, c'est l'association des cadres du monde. Libral dit nous tout. Qui impression de l'activité pour aujourd'hui? Bonsoir Fedline. Qui impression? Comment on voit l'activité en cap déroulé là? On a parlé de Livre en Folie 2024 pour Anissa. En fait, c'est une très belle initiative. Moi, que jeunes yo valoriser ça, yo remet lecture. Je pense que li bon pour jeunes yo suivre genre de initiative ça yo. Très bien. Yo dit que le yon jeune Simon adopte la lecture dès jeune âge, li gen plus chance pour le remet la lecture. Ou même personnellement, est-ce que lecture sont activité que remet ou bien ou apprendre remet nan participer dans type d'activité ça yo? Certainement oui, parce que Pabli, Association des cadres du monde, c'est une association qui est là pour informer, former et transformer. Dans l'association des cadres du monde, nous avons des gens de formation. Ça yo. C'est ça qui fait nous encourager les gens à nous encourager les gens à suivre quelques formations pour être capable d'aller vers l'avant. Parce que sans lecture, pas rien du tout. Parce que toute base là, c'est dans la lecture de l'Ichita. Très bien. Un message pour jeunes adolescents de Tankou? Quoi dans tête nous, Québec tête nous, craser bête nous et lit. Parce que éducation, formation, c'est dans l'île Chita. Merci beaucoup, Fedline. Merci, cher monsieur.